Nicolas, vous êtes un client historique du groupe Pentalog. Ça fait plus de 10 ans que vous travaillez avec une équipe dédiée qui est basée à Brașov, en Roumanie. Le premier grand sujet pour nous, c'était, et pour moi, quand je suis arrivé chez Isium il y a une dizaine d'années, la collaboration avec Pentalog avait commencé, mais il y avait à ce moment-là un ou deux développeurs seulement avec Pentalog. Et donc, on a eu une progression en 10 ans complètement linéaire, parce que maintenant, dans l'équipe, on a une trentaine de personnes, donc à Brașov et même maintenant en Moldavie. Donc, on a pu trouver des relais avec Pentalog pour trouver des ressources. Et puis, une des grandes qualités, pour l'instant, c'est effectivement la stabilité de trouver effectivement des ressources de qualité. Ensuite, Isium, dans son évolution, a grandi. Il a été racheté, la société a été rachetée par le groupe Lyonnaise des Eaux, Suez Environnement. Et donc là, on a pu changer de dimension, et c'est là où il y a eu quand même pas mal d'accélération et de renforcement de l'équipe et de la coopération avec Pentalog. Comme il y a eu pas mal de mouvements, donc la société s'appelle maintenant OCA Smart Building, et donc c'est une filiale du groupe Lyonnaise des Eaux. Et on a été associé donc avec des gens qui travaillent dans le comptage de l'eau, comptage divisionnaire. Et on continue évidemment notre activité de développement logiciel, d'applications web pour le monde de l'immobilier et le monde du comptage de l'eau. Et l'activité a juste changé de nom par rapport à l'ancienne société Isium. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des applications sur lesquelles nous avons travaillé ensemble ? On a toujours cherché à être économe et ouvert sur des standards, parce qu'on a voulu vraiment développer des applications, un vrai logiciel qui s'appelle, le nom de la solution s'appelle Easy4You. Donc se développer en Java, sur des serveurs d'applications JBoss, avec beaucoup de technologies open source. Et on a construit l'application pas à pas avec des modules et des fonctionnalités qui grandissent. Là, au jour d'aujourd'hui, on a une vingtaine de modules pour gérer les parcs immobiliers, les grands parcs immobiliers. Donc on est très très actif sur la défense, mais maintenant de plus en plus dans toute la France et sur d'autres aussi. On travaille de plus en plus aussi depuis déjà quelques années, mais dans le monde de l'habitat collectif. Et là, c'est pareil, il y a plein de projets qui s'ouvrent pour encore une fois gérer le bien immobilier et surtout ses consommations. Et avec la Lyonnaise des Eaux, il y a une grande coopération qui est faite avec nous pour pouvoir gérer la dite télé-relève de l'eau. Et donc on continue de grandir avec Pentalog pour aller sur des sujets plus big data et de reporting avancé. On travaille aussi avec Pentalog sur la mobilité, puisque maintenant les solutions mobiles sont évidemment essentielles. Et donc Pentalog a pu mettre à disposition des équipes plus spécialisées, en particulier en Moldavie. D'après vous, quels sont les secrets de cette collaboration aussi fructueuse depuis tant d'années ? Les secrets, c'est la compréhension mutuelle des rythmes et de l'édition de logiciels. Et donc évidemment un grand professionnalisme, et puis surtout, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est la capacité d'avoir une équipe qui reste stable et sur laquelle il n'y a pas trop de mouvements, et puis la possibilité évidemment de faire des arbitrages en fonction des priorités ou des moments de la vie économique qui peuvent changer encore une fois sur des considérations budgétaires. Donc la souplesse.